avec Mathieu Gouénard et un poulain qui porte le numéro 2, un Monsoon qui a été vendu 85 000 euros à David Revler, c'est-à-dire le Sheikh Fahd Al Thani. Alors Mathieu Gouénard, le rat d'Ombreville, c'est un tout nouveau haras déjà qu'on va présenter en quelques instants. Oui, tout à fait. Donc on s'est installé l'année dernière au mois de juillet sur 25 hectares. Donc exactement, première année de vente. Les premiers poulains ont été présentés au mois d'août lors de la V2. Ça s'était pas trop mal passé, on était très contents de nos premières ventes. C'est-à-dire 35 000 à racheter. Voilà, exactement. Donc une pouliche par l'OP des Vegas qui était tout à fait correcte et qui est partie à son prix, je pense. Et donc là, on passe à un cap très nettement supérieur avec ce poulain de Monsoon. Oui, tout à fait. Donc ce poulain fait partie des premiers élevés au haras. Donc c'était important pour nous parce que il fait partie de la première génération, ils sont avec nous depuis le début. Et puis la deuxième chose, c'était un poulain qui nous appartenait aussi. Donc on est très satisfait de la vente. Il va aller chez un bon entraîneur. C'est-à-dire le monsieur Adverse ne l'a pas précisé, mais ça sera, je pense, de toute façon, soit la France, soit l'Angleterre. Et c'est des chevaux qui sont quand même soutenus par leur propriétaire, donc on n'est pas inquiet. Très bien, 85 000, David Redverse, le rat d'Ombreville, tout nouveau haras pour une jument achetée pleine, c'est cela? Oui, 45 000 euros, 45 000 euros pleine de Monsoon. Eh bien, bonne continuation pour ce haras normand tout près de Deauville, qui est le rat d'Ombreville. Merci beaucoup.